Là, tu vois, le vide, en gros, c'était parti de là. Mamma mia! Là où c'est peint, le début, juste un peu. Là, je roule, je roule. Salut les gars, c'est Roulien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la vidéo du vertige. On est sur les hauteurs de Grenoble, vous voyez Grenoble juste derrière moi. On est tout en haut, ça s'appelle le fort du Saint-Hénard, ici, très connu. Et aujourd'hui, eh ben, on va tenter des trucs très chauds, genre sauter de là à là-bas. Vous allez voir, on a ras la falaise, on va risquer sa vie, très dangereux. Donc pensez déjà à vous abonner, à liker, et juste regarde, attends. Vas-y marche. On va voir qui a le plus peur là. Je crois que c'est le caméraman aujourd'hui qui aura le plus peur. Il a pas l'air très serein, je sais pas pourquoi. Y'a rien. Salut. Du coup bah je me filme tout seul alors. Ouais, il y a un peu de vide ouais. Il est pas serein aujourd'hui. Allez, on va aller là à ras la crête. On va aller vous montrer comment ça se passe là. Avant d'arriver sur cette crête, il faut déjà monter. Puisque j'ai le trial, bah je vais pas le porter. On va le faire avec le vélo. Y'a un peu de vide ici. Tu veux venir voir ou pas? Non. Non. Moi ça va, j'ai pas le vertige, je vais te prendre la caméra pour leur montrer quand même. Regardez où on arrive. Oh lolo, voilà où on est. Un truc comme ça. D'ailleurs moi j'habite par là, là. Quelque part par là. Ça va, tu veux toujours pas venir? Ouais. Je dois continuer alors. Alors mon défi, je vais vous montrer. Premier défi, ça va être de sauter de cette pointe là à cette pointe là. Vous voyez? Regardez ce qu'il y a en dessous. Mon vélo il est là. Il n'y a plus qu'à. Regardez le dispositif. Je lui ai mis un trépied géant. Avec ça, normalement, tu seras loin du vide. Hein. Je vais mettre un petit pouce bleu pour Jordan. Hein. Il est en stage avec moi pendant 8 semaines. Voilà. C'est le début du stage, faut pas le perdre. J'ai besoin de toi encore. Oh, en plus, ça glisse vraiment. Ces cailloux là, il a plu toute la semaine. Oh, on va pas aller par là. Hein. C'est plus dur à pied qu'avec le vélo. Dispositif en place. C'est la distance de sécurité. C'est pas anti-Covid, c'est anti-vertige. Voilà. Il peut filmer là. Ouais, ça passe. Nickel. Bah, allez, go. Il aurait fallu une fréquence cardiaque, tu vois. Faut vraiment voir. Pfff, ça fait flipper là. Je vous montre un petit peu, je tends le bras. Oh lolo. Du coup, on part de là, tranquillou. Un saut sur la roue arrière ici. Ça bouge pas. En plus, wow, oula. Ça bouge un peu en plus. La tire, à la limite, elle va tomber quoi. Rien. Oh lolo. Je pense que ça tient pour une fois, mais pas deux quoi. Allez, go. Voilà, le premier c'est fait. Je vous montre un deuxième, le saut est encore plus gros. Et le vide, bah, c'est toujours le même, hein. Cette fois-ci on va pas faire plus. C'est juste là-bas, j'en ai vu un deuxième là. Viens voir. Le deuxième que j'ai vu, il est ici. Et là, c'est pareil, je sais pas. Non, ça a l'air de tenir cette pierre. Ça sera mon atterrissage ici. Là, tu vois le vide. En gros, c'est de partir de là, voler jusqu'à là. Mamma mia. Et le départ, c'est pas un truc qui est très précis. Je vais partir de la mousse là, qui s'en va d'ailleurs. On va la laisser quand même. Et là, hop, regardez, les pieds dans le vide. Il y en a qui ont peur, hein. J'ai l'impression que je suis en mode parapente. Même sensation là, hein, les gars. Serein. Oupa. Allez, c'est la vidéo du vertige. En vrai, même à pied, j'ose pas y aller. Hein. Je préfère largement y aller en vélo. Ça glisse vraiment avec les chaussures là. Juste là. Tu vois comme ça. Oh. Allez, pareil, faut remonter. Et de deux, celui-là il était chaud, plus dur que le premier. Et maintenant on va s'en faire un troisième. Vous allez voir, il est juste là. Il devrait être pas mal aussi, je pense. Venez voir. Troisième gap, ça va être de faire ce qui est derrière moi. En gros, moins de vide, mais plus de distance à sauter. Par de là-bas et j'arrive ici. Ça va être 2m50 de vide. Allez. Celui-là il est beaucoup plus long, mais on arrive dans de l'herbe bien sécure. J'ai mon petit cœur là qui a reçu aujourd'hui. Bon bah voilà, parmi ces trois déjà, lequel était le plus impressionnant pour vous? Est-ce que c'est plutôt la distance? Est-ce que c'est plutôt les trucs un peu avec beaucoup de vide où je risque de tomber? Bah marquez-moi dans les commentaires. Et on va continuer cette vidéo des sensations fortes. On va faire un petit stop. On est en haut en montagne. Donc j'ai quand même pris l'enduro. Il y a deux trois petits trucs, vous allez voir, qui peuvent être sympas. Je vais le prendre. Et après on se retrouve en bas de la ville. Il y a un pont, j'ai toujours rêvé de le faire. Il faut monter dessus, traverser, bah bref, vous allez voir. Vous verrez tout à l'heure, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de prendre l'enduro, on va essayer ça. Et justement, pour faire la comparaison, des fois avec le trial on peut monter très haut, mais un truc comme ça où ça se joue beaucoup sur la vitesse, avec le trial des fois c'est pas forcément le mieux. Du coup je vais voir si je peux le monter avec le trial, et après je change et je prends l'enduro et on verra. En plus il y a des orties là sur le côté, et si je tombe dans les orties. Ah, j'arrive plus vite. Ah, ça n'a pas été simple, hein. Je suis sûr qu'avec l'enduro ça va être plus simple. J'ai vraiment envie de voir. On change, on revient sur le même spot. Hop.
Merci à Bang qui m'a donné d'énergie pour cette vidéo, il en a fallu. Des vidéos comme ça à sensation, c'est souvent démonétisé sur YouTube et tout ça. Du coup, bah, j'ai besoin de chercher des partenaires. Et merci à Bang, une boisson sans sucre, sans calories. Ça arrive maintenant en France. Ça faisait un petit moment que c'était que aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et là, ça arrive en France. Donc vraiment, renseignez-vous, Bang Energy, c'est la boisson qui va concurrencer les autres. Allez, let's go. Mais je suis déjà en haut. C'est déjà mieux qu'avec le trial. Partir un poil plus vite et ce sera bon. Partir de là, tête basse. Regardez-moi cette vue, belle vue Grenoble. Franchement ici, très stylé, vous venez en été. Quand c'est ouvert en plus, vous pouvez manger une petite crêpe, boire un petit café, on est bien. Là c'est encore fermé, on est encore un peu trop tôt dans la saison. Ce que je vais faire, vous avez vu, il y a plein de crêpes avec vraiment de l'air, des trucs vraiment un peu engagés aussi, mais qui craignent un peu moins. Du coup je vais mettre la caméra 360 et on va essayer de se faire des petits plans stylés pour terminer ce premier spot. Et puis on se retrouve après juste à Grenoble pour, comme je l'ai dit, un défi complètement fou. Et ça sera certainement demain, parce qu'avec le couvre-feu là, on est encore en couvre-feu, on n'aura peut-être pas trop le temps. On se retrouve demain, allez, à toutes. On a laissé passer la nuit, il a plu toute la nuit, mais là on a une petite éclaircie. Du coup on est le lendemain et on va se rendre sur ce nouveau pont. Il est juste à côté, là on est à Crolle, à côté de Grenoble. Il y a trois arches, vous allez voir. Bah monte avec moi et puis on va voir ça déjà, voir si c'est possible, parce que je sais pas encore si c'est possible. Je suis juste passé devant en voiture et je me suis dit, celui-là il faut que je tente. Donc on va aller voir, faire les repérages et si c'est possible on essaiera. Voilà le pont, du coup tu vois il y a trois arches avec des poteaux au milieu. Il y a vraiment des poteaux au milieu, je me demande s'il n'y a pas moyen de traverser d'une arche à l'autre, tu vois. Sans dire de faire les trois. Ce qui est chaud, tu vois, c'est qu'il y a une petite barrière quand même avant. C'est pas comme l'autre pont que j'avais fait, il faut monter sur la barrière déjà. Ça a l'air jouable. Le truc, c'est que vous le voyez, il y a beaucoup de voitures qui passent. Donc interdiction de tomber. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut déjà monter là-dessus avant de pouvoir aller sur le pont. C'est pas comme l'autre pont que j'avais fait dans une autre vidéo. J'arrivais à fond et je pédalais. Donc là, je vais prendre le trial, monter ici, rouler sur cette petite barrière. Là, je sais pas si j'arriverai à pédaler parce que c'est quand même très raide et j'ai pas d'élan. Donc soit je le fais un peu en mode trial, les freins bloqués, soit j'essaye de pédaler. Et là, je vais monter à pied déjà et je vais voir si c'est possible de faire cette traversée-là parce que ça a l'air légèrement incliné. Et si c'est trop incliné, ça va être compliqué. On va voir ça. Du coup, on arriverait là. Il y a cette montée-là. Déjà là, c'est assez glissant. Tu vois, après ici ça va, ok. Là où c'est peint, le début il glisse un peu. Et ça va être ici le moment fatidique de la vidéo. Il va falloir traverser ici. Est-ce que c'est solide? J'ai la pression de ouf. Là vous voyez les voitures qui passent. À pied, écoute, ça a l'air de tenir hein. En gros j'arriverai là. Là je roule. Là. Mamma mia. Là il faut redescendre. Faut aller vite quand même sur le côté hein. Sans que ça glisse. Tac. Et là hop. Ok. Ça a l'air très très chaud. Regardez le truc. Mamma mia! J'ai déjà les mains moites juste d'avoir fait ça. Avec le vélo, ça va vraiment être très 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 chaud, les gars. Ça va pas faire rigoler, hein. Vu d'ici, il est un petit peu abîmé. T'as vu, il y a de la ferraille qui sort là. Quand j'étais là-haut, ça a un peu secoué. Mais je pense que c'est quand les voitures passent sur le pont, ça fait vibrer du coup cette partie-là. Il y a une petite sensation bizarre. Mais bon, écoute, hein, faut y aller. On va sortir le vélo. On va vérifier surtout que tout marche. Que là, on n'a pas le droit à un problème mécanique. Fonctionne. Et là, vu que je vais le faire vraiment qu'une seule fois, je pense, je vais mettre la caméra sur la tête, peut-être une caméra en chestila, la caméra qui sera à l'extérieur, comme ça on aura au moins trois plans. Ce qui est important, c'est de le lancer quand on le sent vraiment, quoi. Là, ça va, je suis assez confiant. On va aller s'équiper et puis let's go. C'est le grand moment. Voilà, j'ai la pression, j'ai les mains moites, je sais pas vous, mais c'est beaucoup plus dur que l'autre pont que j'avais fait. Hein. Parce que là, il faut commencer à déplacer en haut, se tourner, se repositionner. La poutre du milieu, elle est pas plate, elle est légèrement inclinée avec de la petite mousse dessus. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont marché dessus pour le nettoyer, donc. Il y a encore un petit peu de mousse et tout, c'est assez chaud. Et le truc compliqué que j'ai pas dit, c'est que vu que je vais le faire avec le trial, j'ai des patins hydrauliques, vous savez, ça freine très fort. Alors pour la montée, c'est très cool, ça va bien freiner. Par contre, pour la descente, c'est pas comme les freins à disque où c'est régulier, c'est tranquille. Si ça va me faire des à-coups, voire même déraper. Et c'est ce qui peut me poser un petit peu souci dans la descente. Donc je vais vraiment y aller très doucement et je vais essayer de vraiment contrôler ma descente. Allez, let's go!
payeur. Ah, j'en peux plus, j'ai le cœur qui bat à 10 000 les gars. J'ai l'impression que j'ai fait un effort de 3 quarts d'heure là. J'ai des courbatures et tout. Et voilà, le truc de dingue les gars. J'ai risqué ma vie, j'ai entendu des gens en bas qui disaient t'es un malade machin. Je pense qu'ils avaient peur que je leur tombe dessus. Bon, un maximum d'abonnements, 2 pouces bleus. Regardez les gens, ils sont arrêtés aussi. Ça fait plaisir, parce que vous le voyez pas, des fois dans les vidéos on risque nos vies. C'est pas pour la vue, c'est juste pour un défi personnel. J'espère que vous avez kiffé aussi cette vidéo comme moi. Pense à liker, à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine. Ciao les gars.